Salut les amis. Allez, c'est parti. Non, on garde une seule prise, on a dit. Bon, allez, Mister Olive, ta voiture est prête. Déjà, tu vois, t'as même pas eu le temps d'attendre 2 minutes qu'elle est déjà prête. Ah, tu vois, franchement, que demande le peuple. Donc, ça, fallait la mettre aussi celle-là. De quoi? Demande le peuple. Eh oui, c'est vrai que t'aimes bien le dire. Ouais, ça, que demande le peuple. Que demande le peuple. Donc, le peuple est servi. Voilà. Voilà. Donc, Olive. Tu es né en 67, hein? Tu es donc un petit peu plus âgé que moi, qui suis de 75. Mais tu désirais absolument une voiture de ton année de naissance, ce qui se comprend. Moi, je peux pas le faire parce qu'en 75, il n'y a pas vraiment de modèle qui me plaise. Donc voilà. Fuego est sorti en 75. La Fuego? Ouais. Balance-moi une Fuego Turbo et on est quitte. C'est existant, Turbo, ça? Oui. Ok. Bref, nous allons faire une première petite présentation sur place, et ensuite on la mettra sur le pont pour vous montrer le reste, les soubassements, parce que parfois on n'a pas le temps de le faire, mais là aujourd'hui on a décidé de le faire à Donf. Ok Olive? Voilà. Alex, qu'as-tu alors, donc bien pu faire sur cette auto? Je t'ai concocté une bonne petite recette. Donc moteur 302, cam, certainement, on l'a pas monté, mais je pense qu'elle a une cam, parce que on sent qu'elle est vraiment en forme, elle a une santé de fer. Bon, révision complète du moteur, les bougies, allumage électronique, les courroies, enfin bon, le pain quotidien, on va dire. Donc, ensuite, réfection de boîte de vitesse. Donc, à nos frais. Tout neuf, voilà. Hein, réfection de boîte de vitesse, oui, mais il y avait besoin, Charlie. Hein, oui. Donc, je suis obligé de, tu vois, d'aller au plus urgent. Donc, réfection de boîte de vitesse, le radiateur à lui était déjà là, donc on l'a laissé. On a remis en place donc le système de lave-glace qui n'était absolument pas présent, hein, il était en vacances. Même chose pour le chauffage, comme d'habitude, là ils avaient carrément tout enlevé. Il n'y avait plus rien du tout, plus de commande, il n'y avait plus de rien, tout est neuf. Les câbles, la commande, le boîtier, tout, radiateur, durite, c'est bon pour l'hiver, tu auras du chauffage. Et puis après, comme toujours, gros travail au niveau des suspensions, du freinage. Voilà, donc tu es prêt pour le contrôle technique de 2018. Attends, parce qu'on va montrer l'intérieur aussi, il y a quand même eu du taf à l'intérieur. Donc volant neuf, qui a été assez compliqué à avoir, parce que c'est rare, ils ont ça en stock nulle part. Donc on a galéré à avoir le volant, mais voilà, volant de 67, un volant neuf de 67 d'origine. Donc il y a eu des panneaux de tableau de bord qui ont été remplacés, ce qui était abîmé. On t'a ajouté la petite console centrale pour pouvoir t'accouder peinard, porte-gobelet, hein, et petit vide-poche. Ça, c'était ta petite surprise. Voilà, hein, la petite surprise. Que d'ailleurs, il me semble que tu as apprécié. Donc, ceinture de sécurité, hein, pour en cas de petit pépin. Bien sûr, hein, ce qu'on ne te souhaite bien entendu pas. Et donc, essuie-glace fonctionnel, éclairage de compteur, tout ça s'est remis en état, même la petite lumière à l'intérieur. Oh, j'ai comme une furieuse envie de m'asseoir, dis donc. Voilà. Hey, regardez, sous ce petit papier de protection. Voilà, les petits tapis optionnels. La petite finition sympathique. Voilà. Oh là là. Voilà, donc résumons, peinture neuve, intérieur neuf, les chromes neufs, nouvelle jante, Magnum 500 qu'on a mis je ne sais pas combien de mois à avoir, qui sont plus disponibles nulle part. Pour l'instant c'est rupture de stock complète. Les Chinois en refabriquent là, ils sont en train de les fabriquer. Les Taïwanais, pour être précis. Pneus, BF Goodrich à lettres blanches, ça c'est le petit pack en bleu.
Ils sont bleus pour la protection, mais ils seront blancs dès qu'il aura frotté un petit peu, Olive. On va quand même lui laisser un peu de boulot. Donc on a dû changer le capot. Et du coup, on a mis le capot avec les petits répétiteurs. Et ils sont branchés et fonctionnels. Donc quand tu tournes, tu as les petits répétiteurs qui te disent dans quel sens tu as mis ton clignotant, pour te rappeler. Voilà. Et en plus de ça, ça, je trouve que ça donne un look un peu un plus... Peu agressif. Un ça peu fait, plus agressif tu as, l'auto. Là, tu as les écopes. Donc l'air rentre par la calandre et ressort l'air chaud par ici. Et ça t'accélère à peu près de 14% de... Oui, à peu près. Au niveau de la vitesse, les experts disent 14,5, mais bon, c'est à peu près 14%. Voilà, donc on t'a mis une roue de secours. Moi, je prévois toujours les pépins. Donc t'as la roue de secours qui est ready, nouveau tapis de coffre. Ah, c'est bon. Un plaid de coffre. Regarde-moi ça, le coating. Très beau coating, voilà. Joint neuf comme toujours. Petites butées, elles sont présentes et changées, hein, comme toujours. Toujours dans le détail. Les petits détails qui comptent. C'est beau. Hey, c'est nouveau beau, bouchon de réservoir. T'as vu le bouchon de réservoir comme il est beau, le design. C'est un faux design. C'est genre un spinner, regarde. C'est trois branches. Oh là là. C'est magnifique. Voilà. Une belle petite deuxième génération. Bon, on va la mettre sur le pont, comme ça on va vous montrer tout ce qu'il y a en dessous. Hein. C'est plus simple. Vas-y, tout droit, viens un peu vers moi. Un peu vers moi. Vas-y, vas-y, vas-y. On démarre au quart de tour, cette auto. Tac. Regarde, moi aussi, Karim, je fais du montage. C'était marrant de celle-là ou pas? Je fais du montage. Ok, donc voilà, notre ami Georges nous a rejoint pour la fin de ce petit Ready to Go. Georges qui a vachement bossé sur cette voiture, donc George, thank you for all the work you did on that car. My pleasure. I hope that whoever gets the car enjoys the car. This was a fun and frustrating job at the same time, but finally it's done. So congratulations, the car is almost about to ship out. Voilà, Olive, il te félicite. Je fais une petite traduction très rapide, comme ça, ça évite à Karim de doubler notre ami Georges. Donc voilà, ça a été un boulot qui était assez long, assez frustrating. Ça a été frustrant à certains moments, mais au moins c'est fini. Il a fait à l'intérieur tout ce qui était changement de radiateur chauffage. Voilà, je vais y arriver. Et puis après, ici, pas mal de trucs que vous allez voir en direct avec notre ami, le chef d'atelier. Mm-hmm. Donc oui, notre ami Georges a fait quand même un gros boulot. Bon, c'est une auto qui était quand même assez saine au départ. Il y a eu quand même certaines pièces de remplacer. Bon, rien de dramatique. On a changé tous les joints, joints de carter. La boîte, comme je l'ai dit précédemment, a été refaite. La direction était en bon état. On a quand même changé les biellettes. Hein. On a mis des biellettes neuves. Les triangles avaient été remplacés précédemment, donc on n'y a pas touché. La voiture était déjà équipée de freins à disque à son arrivée. Donc pareil, on n'y a pas touché. On a refait bien évidemment à l'arrière toute la suspension parce que les lames sur les Mustangs se fatiguent très vite. Et après, une fois que les lames sont fatiguées, on a la Mustang qui a le cul qui est posé ou de travers. Donc bon, celle-ci avait les lames vraiment au bout. Donc on a mis un jeu de lames neuves. Amortisseur bien évidemment pour aller avec. Tout ce qui est câble de frein à main, on peut voir, c'est neuf parce que les câbles étaient grippés. Non, même pas, ils étaient manquants sur celle-là. Donc on a remis le frein à main en route. Quand même, bon, c'est pas très efficace sur les Mustangs, mais au moins il a le mérite d'être présent et il est dans sa configuration d'origine. Donc, messieurs les contrôleurs, si c'est pas assez puissant, le frein à main, j'y peux rien. Faut demander ça à nos ingénieurs de Ford dans les années 60. Hein. C'est neuf, c'est tout comme ça doit être, donc il n'y a pas de souci. Elle avait déjà sa ligne d'échappement, une petite ligne, bon, 2 pouces et demi, équipée de Flowmaster, c'est pas très gros, mais ça sonne très bien sans être abrutissant. Donc c'est assez sympa, c'était déjà dessus, donc voilà, ça on n'y a pas touché. Notre ami Georges a repeint le pont, donc le pont était un peu cracra, on l'a décroté, on a changé les joints, on l'a remis un petit coup de propre dessus, on a mis des names neuves, donc on voulait que ça soit propre tout ça autour. Et puis voilà quoi, hein, globalement l'auto, voilà, c'est une voiture qui est très propre. Voilà, Olive, je suis très content d'avoir fait ta connaissance le mois dernier dans mon petit trip à Paris. Le Charlie Worldwide Tour. Oui, voilà, on a fait, mais d'ailleurs toi tu t'apprêtes là, à faire ton Bretagne Tour. Voilà, je vais faire un Loire-Atlantique Worldwide Tour. Donc, voilà, donc ça, comme ça, ceux qui veulent voir Alex, vous pouvez lui envoyer des MP, hein. Il adore ça. Voilà, qu'est-ce qu'on voulait dire? Donc Olive, voilà, super content de t'avoir rencontré, j'espère que tu vas arborer ton t-shirt Socal Frenchies
au volant de ta voiture avec ton porte-clés Socal Frenchies, enfin tout Socal Frenchies, hein, et tu pourras distribuer aussi des petits flyers Socal Frenchies si tu es content de ta voiture. Voilà. Donc bonne ride et puis on reste en contact. Hein.